sur Scooter Mecha Boîte. Aujourd'hui, petite vidéo. Donc, sur le DT, on va changer le mid-cylindre de frein arrière et les plaquettes de frein avant. Donc j'ai récupéré mon cache-poussière de mon ancien mid-cylindre parce que celui qui était avec celui-là était un peu abîmé. Donc c'est un mid-cylindre qui provient d'une Peugeot XP6 de 97. Donc j'espère que ça va fonctionner cette fois parce que bon, ça fait déjà deux fois quand même que je tente de le monter. Donc on va remonter le capteur hydraulique de stop. Hop. Bon, déjà ça, je suis rassuré, ça se monte déjà plus facilement qu'au départ. Vous avez cette petite plaque en métal qui vient derrière, elle a un sens. Elle se monte comme elle est là. Ça vient devant la durite. Et ça, c'est tout simplement la partie filetée. Donc en fait, elle se met comme elle est là. Vous allez remettre la protection en plastique. Alors ça peut être compliqué hein, à visser hein, parce qu'on voit pas très bien derrière. Ah, c'est bon, celui-là est pris. Alors, j'espère que je vais pas trop galérer pour la purge de frein par contre. Habituellement je m'aide avec le compresseur, mais là vu l'heure qu'il est, je vais pas pouvoir me le permettre. C'est bon, il est pris aussi. On le serre. Voilà. Déjà, je le serre comme ça dans un premier temps. Je redesserre un petit peu ça du haut. Je le pousse au maximum vers l'avant. Hop. Maintenant, on va pouvoir bloquer. Avec le cliquet, il paraît que c'est mieux quand même. On va serrer le capteur de stop hydraulique qui se trouve là-haut. Alors, serrer mais gentiment. Serrez pas ça comme des morts. Parce que moi perso, je connais, je sais comment que ça fait. On va rebrancher le capteur de stop.
Alors c'est un peu le bordel quand on n'a pas le capteur d'origine. Moi c'est un capteur bien, je l'avais changé parce que le mien était mort. Alors, pour le mettre de cylindre, pour le bocal de mettre cylindre de frein, je vais remettre celui que j'avais monté. C'est un Brembo. Ils sont, le plastique est quand même de meilleure qualité que le AJP. Parce que le AJP, j'en ai eu deux. Et j'ai cassé les deux. Donc enfin. Là c'est le troisième, donc je sais comment que ça va finir. C'est pour ça que je le monte pas. Et là forcément j'ai mis l'entretoise à l'envers. On va la mettre comme ça. On va la visser en dernier par contre. Et déjà coller la durite à sa place. Voilà. Alors j'ai mis une entretoise parce que sur le Brembo, sur le bocal du Metzlin Brembo, le diamètre du boulon c'est beaucoup plus gros. C'est pas du 6, hein, c'est du 7. Et c'est vrai que ça avait tendance à bouger un petit peu avant. Donc en mettant une bague de centrage comme il y a sur les carénages, au moins ça va réduire le jeu. Parce que c'est quand même du plastique. Ça tient beaucoup, quand même beaucoup mieux. Voilà. Alors, par contre, mon bocal est un petit peu. Voilà. On va le laisser comme il est là. Je mets pas le clips tout de suite. Enfin, le clips, le truc de la durite. Hein. De toute façon, c'est de la merde ces trucs-là. Bon, je vais remettre. Tout à l'heure, j'ai démonté la fourchette de frein parce que j'avais mis une tige un peu plus longue. Et cette fois, je vais remettre la tige d'origine. Enfin, d'origine, si on peut dire. Ah, là, je vais ramener juste, juste en butée. Hein. Faut pas, c'est pas la peine de le serrer trop. Sinon, vous allez t'emmerder pour faire la purge de frein. Je vais déjà coller du liquide de frein là-dedans. Tout à l'heure, vous m'avez vu récupérer le liquide de frein. Normalement, c'est un truc qu'il ne faut pas faire, ça. Mais bon, moi, j'ai essayé de leur faire le système de frein il n'y a pas longtemps. Hein, donc, ça ne craint pas grand-chose. Un petit conseil, si vous avez un 50, si vous avez un 50 avec un capteur de stop hydraulique, c'est-à-dire qui est pris sur la durite, faites comme moi, mettez le contact. Allez, on attaque. Alors, la purge du frein, ça peut être un truc qui peut être long, surtout quand on le fait comme moi là, sans compresseur. Donc, vu que ça peut être long, je vous passe ça en time-lapse x4.
là le frein marche. Par contre, je viens de m'apercevoir d'un autre problème. Et c'est tout simplement le capteur de stop qui marche pas. Donc je pense que le capteur a dû lâcher. Parce que là, je peux vous dire qu'il y a du frein. Donc je pense que le capteur de stop est cuit. Bon, ça fait un petit moment que je l'avais changé, quoi, mais bon, c'est un peu énervant, quoi. Donc bah voilà quoi. Donc bah ça, pour en avoir le cœur net, je vais déconnecter et je vais foutre le multimètre. Donc pour tester le stop, bon déjà moi j'ai mis les deux fils ensemble pour voir si c'était pas l'ampoule. Et l'ampoule fonctionne. Alors, attendez. Bon, le capteur de stop, hein. Ça fait un moment qu'il a été changé, hein, quand même. Et je dis pas de conneries, je crois que j'ai dû le changer en 2016. Hein, donc, pour de l'adaptable, on va pas trop se plaindre non plus. Donc là, je viens de brancher mes deux fils en direct. Et vous pouvez voir que le feu stop est allumé. Maintenant, si je les débranche, voilà, vous voyez qu'il est éteint. Donc pour moi, je pense que le capteur de stop a dû lâcher. Donc ça, c'est facile à savoir. Vous allez prendre un multimètre. Vous allez le mettre sur la position ohmmètre. Donc la position ohmmètre, hein, c'est ce symbole-là. L'espèce de casque. Et vous le mettez sur 20. Alors le la puissance nous importe très peu. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est est-ce que quand j'actionne ma pédale, là vous voyez, il est comme ça. Quand il n'est pas connecté, normalement il doit se mettre à 0. Comme j'ai dit, la puissance m'importe très peu. Alors ça peut être tout simplement aussi un fil, hein, qui est pété, hein. C'est un petit peu mal foutu, hein, sur ces trucs là. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas celui d'origine. Alors voyons voir. Et j'ai rien. Donc je vais redémonter. Je vais revider le bocal. Hein. Je vous le fais en hors caméra. Ça, je vais pas filmer tout le temps les mêmes trucs. Et je vais redéposer le capteur. Parce que ça peut être aussi une saleté qui est dedans. C'est pas interdit. Donc je pense que le capteur de stop est mort. Hein. J'ai essayé pareil avec l'autre. Celui que j'avais eu avec le médecin, mais bon, je savais très bien qu'il était foutu celui-là par contre. J'ai même réessayé en remettant mon mètre-cylindre à moi d'origine et j'ai le même problème. À la différence que le mien, quand je le remonte, je suis encore plus emmerdé pour le purger. Donc pour la purge de frein, je vais vous réexpliquer, mais correctement cette fois. Tout à l'heure, j'ai mal expliqué. On va zoomer. Alors, je suis désolé, je risque de passer peut-être un tout petit peu devant. Ça, c'est la vis, c'est le capteur de stop. Pour amorcer le frein, vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous voyez la pédale là, elle est molle. Je ne sais même pas si vous voyez la pédale. Je vais vous orienter un petit peu vers le bas. Vous voyez, la pédale est toute molle. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pomper. Vous allez rester appuyé. Et ensuite, avec une clé. Avec la clé. Attendez, je cherche le mètre-cylindre. Voilà, il est là. Avec une clé. Avec la clé adaptée. Donc moi, c'est du 14. Donc vous allez pomper, reste appuyé,
à fond. Prenez votre clé vis, votre clé. Vous redesserrez, ça fait pchit. Quand ça fait pchit, c'est bon signe. Pour essayer, pomper. Reste appuyé. Voilà, refait chip. Là, au bout de deux fois, la pédale commence à devenir un peu plus dure. Elle commence à devenir dure. Là, ça fait pchit et on a eu un petit peu de liquide. Vous le refaites encore une fois. Ça refait pchit avec encore du liquide. Alors surtout, quand vous desserrez, vous ne relâchez pas la pédale. Et vous refaites encore un coup. Voilà. Vous serrez bien. Enfin, pas comme un baiser non plus. Le mieux, c'est quand même de mettre des joints neufs. Et là, vous repompez un peu. Une fois que ça, c'est fait, vous allez passer sur l'étrier. Vous allez mettre une clé à œil de 10. Vous allez mettre une durite. Alors, attendez, moi, elle n'est pas vide, vu que j'ai déjà fait une purge tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez repomper. Alors, par contre, vous remettez du liquide de frein comme dans le bocal. Si vous l'avez rempli à ras, une fois que vous aurez fait ça, normalement, vous serez au minimum. Donc, vous remettez du liquide. Vous repompez. Vous allez appuyer de toutes vos forces. Vous dévissez la vis de purge. Et vous n'hésitez pas à rester tout en dévissant, à forcer. Votre pédale va arriver en bas, surtout vous ne relâchez pas par contre. Voilà, vous redévissez jusqu'à temps que la pédale soit complètement en bas. Vous resserrez la purge. Voilà, vous relâchez la pédale, vous repompez un petit peu. Vous renforcez sur la pédale. Vous redévissez. Jusqu'à temps que la pédale soit en bas, tout en restant appuyé, je reprécise. Ah, ça fait plaisir, je suis en train de voir un truc sur mon bocal, franchement. Là, je crois que c'est bon. Alors, je vais vous montrer un truc, vous allez. Ça va vous donner un aperçu pour savoir si votre mètre cylindre est en bon état. Alors, regardez bien quand j'appuie sur la pédale. Quand vous voyez le liquide comme ça, quand vous appuyez des grands coups, où ça gicle, ça veut dire que votre mètre cylindre est en très bon état. Avec celui d'origine, je peux vous garantir que ça fait depuis 2015 que j'ai la bécane, ça ne l'a jamais fait. Alors, pour le niveau du liquide de frein, vous mettez un tout petit peu, alors il faut que la bécane soit sur béquille, et un tout petit peu en dessous du maxi. Vous allez remettre le petit joint en caoutchouc, qui est quand même assez important de remettre. Vous avez une bague en plastique qu'il faut remettre dedans. Voilà. Vous remettez le bouchon. Pareil, pas besoin de serrer ça comme un abruti. Vous allez recontrôler votre vis de purge qu'elle soit serrée. Donc voilà. Là, je viens de faire une connerie. Je viens de foutre mes doigts tout gras sur le disque de frein. Ça, c'est la connerie numéro 1 à ne pas faire. Voilà. Pour enlever la clé. Vous remettez le capuchon de la vis de purge. Voilà. Le réglage de la pédale, j'y reviens après. Comme vous pouvez voir, il y a du liquide de frein partout. Il ne faut surtout pas laisser ça comme ça. Vous allez prendre de l'eau claire, parce que l'eau claire stoppe, enfin l'eau de la flotte stoppe l'effet corrosif du liquide de frein. Donc vous allez prendre de l'eau et vous allez arroser la bécane. Donc concernant la tringle du frein, tout à l'heure, je l'ai mis en butée contre le piston. Vu que là j'ai un mètre cylindre qui marche super bien, ce que vous allez faire, vous allez desserrer le contre-écrou déjà.
Là, je l'emmène en butée. Et je vais le desserrer d'à peu près. Allez, on va dire. Allez, un bon tour. Encore un peu. Là, ça fait un petit peu de trop. Voilà. Après, ça sera à vous de voir selon vos envies. Mais il ne faut pas que ça soit trop tendu. Parce que sinon, vous allez bouffer vos plaquettes très vite. Là, j'ai du jeu dans mon axe. Là, mon frein m'a l'air pas trop mal. Je vais quand même leur détendre un petit peu. Voilà. Normalement, j'ai toujours un petit peu de jeu dans la tringle. Hein. Vous pouvez voir que ça bouge. Mais j'actionne mon frein, ça freine tout de suite. Avant, ce qu'il fallait que je fasse, même avec cette machine-là, bientôt dévissée à fond, enfin, même dévissée à fond, parce que la dernière fois que j'ai essayé de... La dernière fois que j'ai essayé de purger le mètre-cylindre d'origine, j'avais rentré cette barre-là à fond, et en fait, sur la pédale de frein, je freinais à peu près... Attendez que je vous montre ça. Je vais même faire mieux. Je vais décrocher la tringle à ce niveau-là. Voilà. En fait, la dernière fois que j'ai essayé de purger mon frein, j'avais rentré la tige vachement profonde dans le mètre-cylindre et en fait, je freinais à partir d'ici. Je commençais à actionner mes plaquettes ici. Avec l'ancien, avec le mètre-cylindre d'origine. Là, j'ai remis la fameuse tige. Attendez que je vous dise ça. J'ai du jeu. Je suis pas tendu à fond. Et je touche à peine et je freine. Vous voyez, donc c'est déjà beaucoup mieux. Je vais essayer de redétendre un tout petit peu. Je vois que j'ai un peu de marche quand même. Il faut que ça freine tout de suite. Hein. Vu la cylindrée du moteur, c'est préférable. Donc voilà. Il n'y a pas à dire, hein, c'est quand même... beaucoup mieux. Ouais, vous laissez un millimètre de jeu. De toute façon, dès l'instant que ça actionne pas le piston, là vous pouvez voir, je touche pas au piston là, je frôle légèrement. Bon, il y aura toujours un petit peu d'air, hein. Ça c'est un peu normal parce que mes joints sont pas neufs, il faudrait que je les change. Il faudrait que je change les deux qui sont là, puis les deux à l'arrière aussi. Ça serait quand même beaucoup mieux. Mais de toute façon, ces deux-là seront changés obligatoirement vu qu'il faut changer le mètre-cylindre. Donc là, au moins, c'est quand même beaucoup mieux. Il n'y a pas à dire. Donc voilà. Donc par contre, autre petit point que j'ai oublié de préciser. En commençant la vidéo, et j'aurais peut-être dû. Pour purger le frein, vous ne le faites pas sur un lève-moto. Vous le faites véhicule au sol, c'est-à-dire les deux roues par terre, ou éventuellement sur un pont. Mais ne levez surtout pas la bécane avec un lève-moto. Vous n'arriverez pas à purger le frein. Et je vais vous expliquer très simplement le pourquoi. Parce que j'ai essayé, hein. J'ai déjà fait un essai, hein, de le purger. Alors, parce qu'en fait, tout simplement, si vous mettez votre véhicule sur un lève-moto, automatiquement, vous allez lever l'arrière de la bécane. Ce qui fait que votre durite, au lieu d'être en phase descendante, elle sera soit droite ou soit en phase montante. Donc automatiquement, si on est droit, automatiquement, la... comment je pourrais expliquer le phénomène de gravité ne sera pas bon. Si vous le mettez droit, automatiquement, ça va pas descendre rapidement. Ça va plutôt descendre par contrainte, si vous forcez sur la pédale. C'est pour ça que d'ailleurs, en général, les mètres-cylindres sont toujours un petit peu plus haut que l'étrier. C'est d'ailleurs pour ça. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc normalement, je voulais faire les plaquettes de frein, mais là, il est beaucoup trop tard maintenant. Hein.
Donc je ne fais pas les plaquettes hein, tout de suite. Je le ferai en même temps que le mètre-cylindre, si j'arrive à faire le mètre-cylindre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je vais essayer quand même de purger, de remonter le mètre-cylindre AJP de frein avant que j'avais récupéré, mais en laissant les vieilles plaquettes. Comme ça, s'il y a du liquide de frein qui doit tomber dessus, comme ça m'est arrivé l'autre fois, je préfère que ça tombe sur des vieilles plaquettes que sur des plaquettes neuves. Parce que des plaquettes de frein qui prennent de l'huile, du liquide de frein, enfin toute matière grasse, vous pouvez les prendre, les foutre à la poubelle. Elles sont mortes. Même si vous mettez du nettoyant frein, ça sera trop tard. Parce que c'est de la matière organique, ça va pénétrer, mais très vite. Donc voilà. Donc par contre, point très important, je l'ai déjà mentionné, quand vous faites un système de frein comme ça et que vous mettez du liquide de frein sur la roue, enfin sur la jante, sur le pneu, sur le métaux, n'attendez pas au lendemain pour enlever le liquide de frein. Vous prenez une bouteille de flotte, hein, vous prenez de l'eau du robinet, peu importe. Et vous aspergez la bécane tout de suite. Parce que le liquide de frein, c'était extrêmement corrosif. Et la seule méthode qui existe pour enlever l'effet corrosif du liquide de frein, c'est la flotte. Voilà. Vous pouvez le faire au Karcher aussi. Mais si ça presse vraiment, mettez de l'eau, ça vous allez mettre moins de temps à aller chercher de l'eau chez vous qu'aller au Karcher. Donc voilà. Donc bah, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc je suis très content parce que mon frein remarche. Je suis moins content parce que mon capteur de stop est mort. C'était de l'adaptable, mais bon, voilà. Il a fait son temps. Hein, pour un machin à 9 euros, il a quand même fait 3 ans et demi, 4 ans. Voilà, on va pas trop se plaindre. J'irai en recommander un, en acheter un chez mon concessionnaire en espérant qu'il soit ouvert. S'il n'est pas ouvert, je serai obligé de le commander sur Internet. Ça ne m'enchante pas parce que je vais payer 9 euros de pièces et je vais payer 9 euros de frais de port. Donc voilà. Donc, bah, comme je vous ai dit, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous pouvez vous abonner aux chaînes YouTube que je mets en description, donc LG Motorsport, Tomahawk, Mob11, Gotha11, 103 Mob Stories, je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Bah, écoutez, à plus les gars, hein. Et comme je vous ai dit, bah, abonnez-vous aux chaînes, hein. Voilà, et à une prochaine vidéo.